Bonjour, je m'appelle Sam. Aujourd'hui, je vais apprendre le plat gratin dauphinois. Gratin dauphinois est un plat composé principalement de pommes de terre. Gratin dauphinois est un plat traditionnel français et provenant de la région de France nommée Dauphine. Gratin dauphinois est très bien pour entrer et plat principal. Commençons. Les ingrédients requis pour le plat sont 2 et encore livrés de pommes de terre, 2 et demi tasses de crème alimentaire, 6 gousses d'ail, 3-4 tasses de fromage, et du sel, poivre et noix de muscade. Maintenant que nous avons les ingrédients, commençons à préparer la plate. Premièrement, faire répandre les pommes de terre. Pensez à les laver avec de l'eau. Des pommes de terre. Après ça, versez la crème alimentaire dans un casserole. Mettez les pommes de terre dans un casserole. Ajoutez à temps de sel, poivre et noix de muscade, comme de vous. Fait brûler les pommes de terre à feu moyen. Remue dedans en temps. Mettez les pommes de terre dans une petite plaque. Le plat doit être beurre. Repère le fromage par les pommes de terre. Maintenant, mettez le plat dans le four. Chauffez le four à 425 degrés Fahrenheit pour 3 minutes. Après 3 minutes, changez les températures et 350. Faites cuire le blé pendant 15 minutes. Une fois que le dérive, le plat est prêt à manger. Un très bon poisson avec les plats et son limonade très froid. Bon appétit!